Et voilà un fils d'Oasis Dream qui rentre sur le ring, très énergique, Monitor Closely, qui nous est présenté par le rat de la Barbotière. Il est né en 2006, ce Monitor Closely. On a vu la course référence quand il avait gagné les Great Voltigeur Stakes. C'est une épreuve de groupe 2 préparatoire au Saint-Léger de Doncaster, un groupe 1, dans la course dans laquelle il s'était classé 3e. Et vous l'avez sans doute vu sur les images référence, il battait un cheval gris qui était arrivé 4e. C'était l'excellent Jukebox Jury, lui-même gagnant de plusieurs groupes. Et il battait un Godolphin qui était arrivé 2e. C'était Massery. Massery qui avait pris sa revanche dans le Saint-Léger. La course suivante. Monitor Closely, un superbe croisement. Un fils d'Oasis Dream, donc, avec une mère par Selkirk. La mère s'appelle Indépendance. Elle a déjà produit un autre étalon. C'est Mount Nelson. Mount Nelson qui a réussi ses débuts d'étalon, lui aussi. Il fait la monte en Angleterre. Mount Nelson, le frère donc de Monitor Closely, et il est déjà le père de plusieurs gagnants de groupes. Alors, ce Monitor Closely était entraîné par Michael Bell. Il a déjà donné plusieurs vainqueurs. Il a sa première génération de 3 ans est gagnante. C'était en 2016. Et il a terminé l'année par un nouveau gagnant. Il s'appelait Chambéry. Il avait gagné à Pau le 30 décembre dernier en plat. On va demander un petit mot dans un instant. On va demander un petit mot un instant au haras de l'Arbre à Bottière. Monitor Closely donc fait la monte au haras de l'Arbre à Bottière. À 1 500 euros, poulain vivant.